Chers frères et sœurs et amis, les ondes de la radio là-haut, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous entrons la caillou encore, serviteur, et si frère ou 10 février. Nous prions le Seigneur capable de bénir dans série d'études ça pendant la semaine de Pâques. Hein? Et c'est ça le Seigneur mettait sur que nous pour nous partager ensemble avec vous, pour nous capables de révéler des révélations qui gagnent à travers le sacrifice de Jésus-Christ, sans ça qui était coulé, sans laver nous. La mort de Jésus-Christ qui sauve nous, la résurrection qui bat nous espérance, nous croyons que l'homme mort n'a pas ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pendant que nous souhaitons joyeuse Pâques à notre PDG et sa famille, le frère Joens Destin. Toute famille nous prions le Seigneur capable de bénir toute famille ça et toute famille capable de nous kounyala qui est branchée live sur Radio Lao International. Que le vous Seigneur êtes capable branché bénir. Radio Lao. Nous souhaitons joyeuse Pâques. Nous dit le Seigneur merci pendant la semaine, ça nous montre 7 côtés sans Christ coulé dans le col, 7 côtés dans le col Christ sans souci. Et qui 7 bénédictions qui nous joignent dans 7 côtés sans Christ souci. Nous te voyons premier côté, hein, bien-aimé, et pour, nous te voyons premier côté, hein, c'est dans le jardin de Gethsemane pendant Christ a la prière, il est tellement profond dans la prière, mais souhait dans le col. Vient devenir comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et puis Christ dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Le Christ se coupe à mer, ça qu'il parle boue. Bon, guerre qu'a fait en de Christ. Mais Christ, Jésus-Christ, obligé de déclarer par l'autre, il dit, Seigneur, amen, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est maintenant, bien-aimé, à travers parole ça. Et sang qui sortit comme des grumeaux de sang dans son lit. Jésus-Christ a racheté notre volonté. Deuxième côté, nous te voyons, c'est par ses blessures. À travers 39 coups, nous te voyons mettre la 39 coups de bâton, des frettes piquants, des frettes avec gilette, qui blessaient tout comme mettre là. Jésus-Christ a racheté notre santé. Nous te voyons, amen, d'après, coutume juif, il allait battre un prisonnier, il est supposé recevoir 40 coups de frettes. Amen, mais mettre là, mettre nous en libre 39 coups de frettes. Raison, c'est parce que dans le monde, après le péché d'Adam, il y a 39 maladies dans le monde. Mais 39, chaque coup de fret, ça y est, mettre la prend. Mais son maladie, mettre la prend pour nous. Nous ne sommes pas malades au nom de Jésus-Christ. Et même si tu es malade, c'est pour déclarer, parole ça, au nom de 39 coups de fret, Christio, maladie qui te comme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis la quitte corps, ou a besoin de liberté, parce que corps, c'est temps. Christ, amen. Côté Christ habite, maladie, pas doit revenir là. Mais je assois là. Troisième côté pour l'ouest, sans Christ couler dans le colis, si à travers couronne d'épines, les yon tressé piquant, yon prend piquant, yon tressé, yon fait yon couronne, et puis yon dépose dans la tête li. Pendant yon force couronne à entrer, li pa ka entrer, et puis brigand yon pon bâton, yon frappe piquant, à toute tête mette nous, sauve nous, chef nous, avocat nous, et puis les piquants rentrer, la parole de Dieu révèle les piquants rentrer juste dans le crâne, tête Jésus-Christ, et puis sans sortir. Vous êtes branché radio là-haut. Mais à travers couronne de pin ça, Jésus-Christ a racheté notre prospérité. Oui, bien-aimés, chers auditeurs de la radio là-haut, nous sommes rachetés par le précieux sang de Christ. Grâce à son sang versé, nous retrouver la relation dont Adam et Ève jouissaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Autrefois, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient dans la bénédiction et la présence de Dieu. Il n'y avait aucune maladie, bien-aimé, cher auditeur, ni aucune misère, tant Adam fut obéissait à Dieu. Il put disposer de tout ce dont il avait besoin. Adam et Ève vivaient littéralement sur la terre où coule le lait et le miel. Mais, cher auditeur de la radio Laron, amen, le réseau de l'évangile pratique et triomphante. Mais à partir du moment où Adam et Ève désobéissent à Dieu, Dieu déclare la malédiction sur la terre à cause du péché d'Adam. Et ça fait bien, mais c'est pour déclarer par ça sous la voix que mon Dieu faut qu'on ait un don pour pécher. Péché détruit le monde. Péché faut perdre grâce. Péché faut perdre onction. Péché faut perdre révélation. Bon Dieu, qu'on parle avec ou bon de révélation. Péché a fort perdu le pouvoir vivre dans le péché. Mais à partir du moment où Adam désobéit à Dieu, Dieu déclare la malédiction sur la terre à cause du péché d'Adam. Et ça fait bien aimé, que bagaille qui a passé dans la vie moi ensemble avec vous. Faut nous checker pour nous si nous pas péché.
Si nous avons péché dans la vie, nous qui cachons, qui rend nous dans la situation que nous y aujourd'hui à Bénémen. En Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19, excusez-moi, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit. Dieu maudit le sol à cause du péché d'Adam. À cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Vous entendez? Il te produira des épines et des ronces. Pas bien dit, il prend couronne d'épines. Vous mettez dans la tête, mettre là. Mais qui ça, mettre là, te déclaré en Genèse chapitre 3. Il te produira des épines, le mettre là, maudit la terre. Il te produira des épines et des ronces. En Bible, après le péché là-dedans, Dieu maudit le sol avec des épines et des chardons. Et ça te fait ramène raison, sécheresse, ça, dans vous là, gardez pour essayer pour un péché. Péché séché, vie moun. Péché, faut pas qu'à prier. Si tu connais prier une temps et gado gado ouais 10 minutes ou faire. Si tu connais prier 10 minutes et gado gado ouais fait ouais c'est 5 minutes ou faire. Péché, amen, péché, regardez, péché fin avec relation mon avec bon Dieu. Dieu maudit le sol avec des épines et des chardons. À partir du moment bien-aimé où Adam pécha, il ne fut plus autorisé à vivre dans l'abondance. Et la splendeur de Dieu, la terre fut maudite. À partir du moment bien-aimé Adam pécha, yo perdu autorité, yo perdu relation, yo perdu connexion, yo pas gain droit pour vivre dans l'abondance encore et la splendeur de Dieu parce que la terre, l'Éternel maudit la terre. Mais bien-aimé cher auditeur, cependant en versant son sang, cependant pendant que Jésus versait sang, non troisième côté, Jésus brisa la malédiction. Troisième côté, mettre là, amen. Pendant mettre là, sans couler, en troisième côté, mettre là, briser malédiction, troisième côté, à travers couronne de pignon, mettre dans tête là, sans sortir dans tête li. Là, il frappe bâton dans tête là, toute couronne, nan, sans sortir. Jésus-Christ brisé malédiction, qu'il te maudit la terre. En nous lit texte ensemble, amen. Pendant que Jésus arrêté et emmené devant les autorités religieuses et politiques, où il fut jugé comme un imposteur. Et un hérétique en le menant chez Pilate. Il se moquait de lui. ILS, amen, les brigands. Il se moquait de lui en disant, salut à toi, roi des Juifs. Il a moqué maintenant en bien-aimé. Ils aperçurent des buissons épineux. Pas oublier tout à l'heure, Mdou, mais la terre maudit la terre. Amen. Afin que pour la terre capable, il te produira des épines et des ronces. C'est ça, mais ces paroles, ça met la terre déclarée pour te maudit la terre. Pendant les yo arrêté mettre là yo menil devant autorité religieuse et politique yo il a jugé comme un imposteur comme un hérétique comme un monde qui pas vaut rien pendant que yo menil devant Pilate il a moqué il a passé la bêtise il a dit salut à toi roi des Juifs et puis pendant qu'il a moqué il a fait une batte il a moqué mais bien-aimé pendant qu'il a moqué le brigand yo a perçu amen, des trois branches piquants, puisqu'il a pris le roi. Il a dit, pas le fond couronne, mettre sous tête. Ils aperçurent des buissons épineux. Et ça veut dire couronne d'épines. Les reprend, amen, branches piquants, ça, ils font couronne. Couronne n'a pas veut dire l'autre bagaille. Couronne épineux, c'est le symbole de la pauvreté et de la malédiction sur la terre qui met la tête prononcée. Ils ont pris quelques branches. Ils ont pris des trois branches piquantes, couvertes pour les tresser en vue de confectionner une couronne. Même quand ils ont pris des branches piquantes, ils ont formé une couronne, ils ont tressé, ils ont fait une couronne, ils ont confectionné une couronne. Et puis, texte a dit qu'ils enfonçaient, ils ont forcé la couronne à entrer dans la tête, amen, dans la tête, mettre nous. Les couronnes n'ont pas rentré, ils ont pris un bâton. Et puis, il a frappé la tête de Christ pour qu'on soit capable d'entrer. Et puis, piquant, percer le crâne, tête le Seigneur, notre Sauveur. Et puis, sans sortir dans le crâne. Et puis, sans sortir tomber troisième côté de la prière soir. En Matthieu chapitre 27, verset 29 à 31. Le symbole de la pauvreté fut placé sur le front de Jésus-Christ de Nazareth. Dans mon comprendre, bien-aimé.
dans le texte, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 17 à 19, là, mettre la prononcer malédiction sur la terre après, amen, après désobéissance à Adam et Ève. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Dieu maudit le sol avec des épines et des ronces. À l'instant que tu as arrêté de mettre là, tu as mené devant l'autorité religieuse politique, tu as jugé comme un imposteur et une hérétique. Tu as mené devant Pilate. Tu as moqué maintenant. Tu as dit salut à toi, roi des Juifs. Pendant que tu as moqué, tu as passé la bêtise. Dieu n'a pas voulu être droit prince piquant. Tu prends, tu as formé une couronne. Qui est le symbole de la pauvreté, qui met la terre, maudit la terre. Il te dit pour la terre, produit des épines. En mais malédiction, mettre la terre, la guerre sur terre. En mais mettre la prendre, limiter le sous-tête. Le symbole de la pauvreté et la malédiction sur la terre. Les ou prend, branche piquant, yo confectionné, yo couronne. Texte a dit qu'ils enfoncèrent, yo forcé piquant rentrer, pas qu'à rentrer. Les rêves pas rentrer, ils ont pris un bout de bâton, ils ont frappé la tête, mettre là tout piquant, et puis s'en sortit. Le symbole de la pauvreté fut placé sous le front de Jésus. Lorsque les épines percèrent son front, son sang coula. Vous êtes branché radio là-haut. Soyons rachetés de la pauvreté, bien-aimé. Lorsque les épines percèrent son front, son sang coula. Pour que nous soyons rachetés de la pauvreté. Moi, mes textes, bien-aimé, en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Texte a dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. À travers pauvreté, mettre là, les mettre là, prendre couronne, le mettre dans la tête, lui fait tête li pauvre pour le capable de faire nous riches, je dis à bien-aimé. Et c'est là que vous parlez, ouais, bien-aimé. Ça veut dire, amen, richesse, monde qui n'a pas Dieu, bien-aimé. Richesse, monde qui n'a pas Dieu, qui s'allie. Pendant ma prélite, texte encore. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, par son couronne d'épines, le symbole de la pauvreté, par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Bien-aimé, texte l'a dit dans 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Même jeune homme nous prospérer, c'est comme ça pour prospérer à tous égards. Et ça fait, bien-aimé, si on pas qu'à prospérer à tous égards, checker dans nous. Parce que d'abord, texte a dit dans Jean, dans 3 Jean, il dit comme prospère à l'état de ton âme. Amen. Pour prospérer sur le plan richesse économique, financière, matérielle, il faut que nous riches. Faut que nous soyons en bonne santé. La raison pour laquelle, c'est parce que l'objectif principal de Dieu, bien-aimé, pour son serviteur, amen, et sa servante, est de prospérer. Bien-aimé, nous devons prospérer spirituellement d'abord, physiquement et matériellement. Nos bénédictions matérielles et physiques sont proportionnelles à nos bénédictions spirituelles. Bénédictions matérielles, nous, et physiques, nous, yo marré ensemble avec bénédictions spirituelles, nous. Pour me bénir matériellement, économiquement, faut spirituellement me soit mon béni, faut me bénir dans caractère, faut qu'on me béni, faut que l'engagement béni, et ça fait me pavler l'évangile ça. Mon cap dit c'est que mon Dieu besoin, il pas besoin col, pas besoin rien. Depuis on donc béni, tout corps a béni, mon bon Dieu a bon gens pour lier. Mon bon Dieu a bon gens pour lier, ou mettre dit sauvelé, haïtien on a toujours été haïtien. Nous pas qu'à imiter l'autre nation en faire l'évangile. Ou mettre et question à imiter l'autre nation, bien-aimé. Regardez, culture pas qu'à dépasser la Bible. Non, bien-aimé, parce que nos bénédictions matérielles et physiques sont proportionnelles à nos bénédictions spirituelles. Bien-aimé, plus nous croissons en esprit, plus nous gagnons en physique et en matériel, plus que n'a bien plus grâce, n'a bien plus onction, c'est tant que n'a grandi, n'a croissons en matériel tout, bien-aimé. Plus nous accordons de l'importance à la parole de Dieu dans notre vie, plus nous serons en bonne santé et en prospérité. Il y a des gens qui parlent de la Bible. Il y a des gens qui parlent dans l'étude. Il y a des gens qui le disent seulement à l'église. Non, bien-aimé, vous ne pouvez pas prospérer parce que, bien-aimé, plus nous serons en bonne santé. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, puisque tout autant qu'on baille importance à la parole de Dieu dans notre vie, plus nous serons en bonne santé et en prospérité.
Bien-aimés, chers auditeurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Car c'est Dieu seul qui nous donne le pouvoir de devenir riche. Il nous recommande d'en profiter, bien-aimés. D'après le psaume premier, lorsque nous avons placé toute notre confiance en Dieu et notre espoir en lui seul, nous serons comparables à un arbre planté au bord d'une rivière. Amen. Lorsque placer confiance en mon Dieu, en mon Dieu seul, ou vient ta compie moi qui plantez bon une rivière, même je connais chanter bénédiction pour le monde qui met confiance en mon Dieu, il y a ta compie moi qui plantez bon une rivière, bien aimé. Ça veut dire que rien ne nous manquera. Tous nos besoins nous seront accordés lorsque nous placer confiance en amen dans mon Dieu. L'Éternel, notre berger, nous fournira tous nos besoins d'après Somme 23, le verset 1er. Et Jérémie continue pour le dire en disant, qui étend ses racines jusque dans la rivière, dans ces conditions, nous aurons tous les éléments nutritifs nécessaires pour notre croissance spirituelle et physique. Nous sommes enracinés en lui et édifiés en lui. Dans ce monde passager, nous serons toujours heureux, car toute chose réussit bien dans notre vie et ne séchera pas sous l'effet de la chaleur de l'ennemi. Mais ses feuilles resteront toujours tendres. Oh, alléluia. Ça, c'est ma bénie, bien-aimé. Amen. Ceci signifie que même quand en épidémie, comment ça veut dire? Ceci signifie, bien-aimé, que même en temps d'épidémie ou d'une maladie quelconque qui fait des ravages parmi les hommes, ou comme ça m'a dit à la même, bon, même si c'est non le même. Leur place et confiance dans mon Dieu. Leur ce monde qui croissant en grâce. Même j'aime te lire ça, t'as pour me ça. Plus nous croissons en esprit, plus nous gagnons en physique et en matériel. Tant qu'on grandit en esprit, l'esprit de Dieu a plein d'amour, l'esprit de Dieu a plein, à plein cœur, bien-aimé. Amen. Plus soit collé sur mon Dieu, ou pas attaché avec mon Dieu, c'est amen. Ça veut dire, bien-aimé, même en temps d'épidémie ou d'une maladie quelconque qui fait des ravages dans le monde, vous resterez toujours en bonne santé. Yes, tout mal qui frappe, laisse, amen, les hommes ne vous affectera point. Yes, il va pas affecter. Amen. Lorsque c'est mon qui collé sous mon Dieu, lorsque c'est mon qui a sanctifié, lorsque c'est mon qui fidèle, même quand tant d'épidémie ou d'une maladie quelconque qui fait des ravages dans le monde, vous resterez toujours en bonne santé. Pendant que ma Dieu, bien aimé, lave les mains, restez propre, propre la caillou. Mabjou, amen, fais prévention, yo, propter, lorsque tu dis, on va prendre la caillou, amen, rat qui était sur vous, depuis la barrière, on mettrait Cyril, ou mettrait Cyril, amen, parce que le texte a dit, veillez, priez, mais Mabjou, lorsque le monde qui collé sous mon Dieu, ou pas qu'à paix, amen, quelle que soit maladie, même si tu es non le même, ou qu'on non, amen, ou qu'on non le bien passé, lorsque collé sous mon Dieu, lorsque fidèle, ou t'as compié bois, qui plante dans une rivière, même quand, en temps d'épidémie, ou d'une maladie quelconque, qui fait des ravages. Parmi les hommes, vous resterez toujours en bonne santé. Bon, me déclarer sous la vie, amen, vous resterez toujours en bonne santé. Me déclarer plus de 1000 sacs à passer à là, ou après être en santé, li pralé, ou après être ou même en santé. Amen. Me déclarer parole ça, sous même cap travail dans l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, servante de Dieu, mon Dieu, bénis-moi. Amen. Cap travail dans l'hôpital, toute servante cap travail dans l'hôpital, c'est cap travail dans molio. Amen. C'est qu'à travailler dans moi, c'est qu'à travailler dans ma tête, yo, qu'à faute avec moun, me déclarer sous la vie, yo, même quand tant d'épidémie ou d'une maladie quelconque qui fait des ravages parmi les hommes dans le monde, vous resterez toujours en bonne santé, puisque c'est monde, mon Dieu, qui a sanctifié. Yes. Amen. Ou amen. Aucun mal qui frappe les hommes ne vous affectera point. Votre finance, votre santé et vie seront toujours dans l'éclat et ne s'inquiétera point de période de sécheresse, ni cessera de porter des fruits, parce qu'on collait sous mon Dieu. Amen, amen, dans nos révélations qui viennent de Dame Kounia, onction pas de saison. Oh, alléluia. Onction n'a pas de saison. Lorsque mon qui dit onction en dedans, quel que soit moment, ou pas qu'à sécher, quel que soit moment, ou pas qu'à sécher, ou pas qu'à venir plus mal, onction pas de saison, quel que soit saison, ou a grandi la donne, ou a porter fruits la donne. Déclarez-vous, cherchez l'onction, nous pouvons obtenir maintenant. Mais mon Dieu, grâce. Ceci supporte la Sainte Écriture qui dit, en temps de famine, la parole de Dieu dit, en temps de famine, mon peuple restera toujours rassasié.
En temps de famine, mon peuple restera toujours rassasié. Quand tu as fait des nouvelles, il y a du après vie. Amen. Après maladie, ça. Amen. Bah, la braille, red. Et bah, amen. Collé sous mon Dieu. Qui est-ce qui, mon Dieu? Est-ce que c'est soit attendu? Et ça fait la foi vient de ce qu'on entend. Soit attendu des nouvelles, bien-aimé. C'est foi. Mais leur collé sous mon Dieu, bien-aimé. Leur collé sous mon Dieu, ça texte la Bible, bien-aimé. Amen. En temps de famine, mon peuple restera toujours rassasié. Oh, alléluia. En temps de famine, en temps d'épidémie, mon peuple restera toujours rassasié, bien-aimé. N'importe tout ce qui se passe dans le monde, aussi longtemps que nous croissions et prospérions en esprit. Vous entendez? N'importe tout ce qui se passe dans le monde, aussi longtemps que nous croissions et prospérions en esprit. Attendez bien. N'importe ce qui a passé dans le monde, qu'ils sont entendus. Mais de pour coller sur mon Dieu, de pour avoir la prière, de pour demander mon Dieu grâce, on s'en a augmenté, ou à sanctifier n'importe ce qui a passé dans le monde là. Quel que soit sa lié, dans tout point de votre vie, vous amen, vous avoir prospéré et vous porter des fruits, bien-aimés. Vous porter des fruits, quel que soit ce qui a passé, bien-aimés. Vous avez toujours porter des fruits. Nous parlons de la prière. Nous parlons de prier. Ou pas le prier ensemble avec moi, ou pas le déclarer parole ça sous la vie. Collez-vous sous mon Dieu. Collez-vous sous mon Dieu. Quel que soit le temps, ou à porter fruit. Quel que soit l'élié, ou à porter fruit. Collez-vous sous mon Dieu. Ou à prospérer. Même en temps de famine, mon peuple restera toujours assasié. De pouvoir croiser en grâce. De pouvoir croiser en esprit. De pouvoir croiser en puissance. Depuis relation avec mon Dieu a augmenté, a pillé toi. Même quand on d'épidémie ou d'une maladie quelconque qui fait des ravages parmi les hommes, vous resterez toujours en bonne santé. Vous êtes branché radio là-haut. Même quand on de famine, mon peuple restera toujours rassasié. C'est ça la parole de Dieu dit. Pas fait qu'on saute pour ce qui a passé là. Mon Dieu a rassasié, mon Dieu a satisfait. Dispose que vous parlez la prière ensemble avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis ouais, troisième côté. Mettre la cou, amen, amen, sans mettre la coulée. C'est à travers couronne de pignon, force entrer dans la tête, en coup de bâton. Et puis, on fait piquant, rentrer dans le crâne, et puis sans sortir dans le crâne. Amen, Jésus qui a racheté notre prospérité. Déclarer prière, ça y est, ensemble avec moi. Disposer cœur au coup de moi, commander au tonnerre de Dieu pour briser en miettes morceaux tout magasin qui t'aime bien au nom de Jésus. Moi, commander au tonnerre de Dieu. Briser en morceaux tout magasin qui t'aime bien au nom de Jésus. Moi commander au tonnerre de Dieu, tonnerre, coup de tonnerre, beaucoup de l'oreille. Moi commander au tonnerre de Dieu pour briser en morceaux tout magasin satanique qui t'aime bien au nom de Jésus. Gardez bien, ennemi qui t'aime pour vous. Gardez bien qui t'aime pour vous. Même Jean bon servante qui habitait Delma, chaque jour la passé. La gagne un gros caille de étage. Ma tante n'a pas de petite. Ma tante, c'est des nièces qui t'est levé. Il y a plusieurs cailles. Ma tante, qui t'est caille pour plusieurs autres mondes. Il y a un caille pour lui. Il va qu'à prendre, il va prendre l'homme. Déclarer parole, ça, ce sont des biens. Satan kembe dans le magasin. Déclarer au tonnerre de Dieu pour briser en miettes morceaux tout magasin qui kembe bien au nom de Jésus. Moi, commander au tonnerre de Dieu. Pour briser en morceaux, en miettes morceaux, tout magasin qui t'aime bien au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Moi, commander au tonnerre de Dieu de briser en miettes morceaux tout magasin qui t'aime bien au nom de Jésus. Déclarer parole ça. Déclarer sur la vie. Déclarer parole ça, bien-aimé. Déclarer, amen. Déclarer dans une partie pour une deuxième prière. Amen. Tout bien, alléluia. Tout instrument satanique. Amen. Amen. Tout instrument satanique qu'a utilisé contre la vie. Amen. Amen. Détruit complètement au nom de Jésus. Tout instrument satanique, amen, qu'a utilisé contre la vie, détruit complètement au nom de Jésus. Tout instrument satanique qu'a utilisé contre la vie, contre famille, contre foyer, contre travail, moi, dans le côté m'a fonctionné. Tout instrument satanique qu'a utilisé contre la vie, amen, détruit complètement au nom de Jésus de Nazareth. Déclarez ça.
tout instrument satanique qui a utilisé contre la vie, détruit complètement au nom de Jésus. Tout instrument satanique qui a utilisé contre la vie, détruit complètement au nom de Jésus de Nazareth. Déclarez-le tout autant capable. Moi, paralysé complètement toute transaction et contrat satanique pour la vie au nom de Jésus. Moi, paralysé toute transaction, tout contrat satanique qui était sous la vie au nom de Jésus. Moi, paralysé toute transaction et contrat satanique qui était fait sous la vie au nom de Jésus. Moi, paralysé toute transaction et contrat satanique qui était faite sous la vie au nom de Jésus. Moi, paralysé complètement toute transaction et contrat satanique qui était faite sous la vie au nom de Jésus. Moi, paralysé complètement toute transaction et contrat satanique qui était faite sous la vie au nom de Jésus. Moi, paralysé toute transaction et contrat satanique qui était faite sous la vie au nom de Jésus. Il y a des contrats, grands-parents ont été faits. Il y a des transactions qui étaient faites. Amen. Transactions sataniques, transactions maléfiques. Paralysez-vous, détruisez-vous. Paralysez-vous. Mais paralysez complètement toute transaction et contrat satanique qui étaient faites sous la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes troisième requête de prière. Nous avons passé pour un quatrième. Alléluia. Déclarez ça. Déclarez-le. Paralyser complètement toute transaction et contrat satanique qui était fait sous la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ordinateur satanique et réseau associé, installé, qui vous fait mal, amen, désorganisé au nom de Jésus. Ouh. Tout ordinateur satanique et réseau associé, installé pour détruire la vie, pour mal pour la vie, désorganisé au nom de Jésus. Tout ordinateur satanique, réseau associé, installé pour faire la vie mal, désorganisé au nom de Jésus. Tout ordinateur satanique, réseau associé, installé pour faire mal, désorganisé au nom de Jésus. Tout ordinateur satanique, réseau associé, installé pour faire la vie mal, désorganisé au nom de Jésus. Oh my God, prière ça fort. Tout ordinateur satanique, réseau associé installé, qui pour faire la vie mal, désorganisé au nom de Jésus. Débranché, désorganisé. Qui réseau pas qu'à une onde. Qui réseau pas qu'à une. Amen. Parce que l'ennemi n'est pas omniscient, pas tout côté. Mais il y a des réseaux, il y a des petits démons qui ont rayon. Il y a des réseaux qui associés, qui installés, qui contrôlent la vie. Amen. Il y a des ordinateurs sataniques, détruits, désorganisés par le sang de Jésus. Désorganisés à travers le pouvoir que le Seigneur a eu. Tout ordinateur satanique, réseau associé, installé pour faire mal, désorganisé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tout ordinateur satanique, réseau associé, installé pour faire mal, désorganisé au nom de Jésus. Que vous pas organisé, que vous pas connecté ensemble les ordinateurs sataniques, des réseaux associés installés, que vous pas une onde, que vous pas une sial pour contrôler la vie, mes amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, que vous pas une onde, que vous pas une sial. Tout ordinateur satanique, réseau associé, installé pour faire mal, désorganisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous désorganisé. Que vous désorganisez, bien aimé. Amen. Amen. On parti pour cinquième prière là. On parti pour cinquième prière. Moi, refuser tout travail qui parle profit au nom de Jésus. Moi, refuser tout travail sans profit au nom de Jésus. Moi, refuser tout travail sans profit au nom de Jésus. Moi, refuser tout travail sans profit au nom de Jésus. Répétez-le. Refuser tout travail qui sans profit. Ou ap travail gon démon k ap manger, amen, k ap manger l'argent, gon diable k ap manger son fait, tout son faux pas son réaliser. Refusez le bien-aimé, ce sont des démons. Amen. Moi refuser tout travail sans profit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toute force qui oppose à travail moi paralysée au nom de Jésus. Toute force qui oppose à travail moi paralysée
Au nom de Jésus, ou sorti dans la cinquième prière, ou tombé dans la sixième prière. Moi, cinquième, non, c'est moi refuser tout travail sans profit. Deux, amène sixième prière là, moi amène toute force qui opposée à travail moins, paralysée. Au nom de Jésus, toute force qui opposée à travail moins, toute sorte fait lui opposer avec elle, la force fait erreur. Toute sorte fait lui opposer avec elle, détruire, paralyser elle. Toute force qui opposée à travail moins, paralysée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas de chiffre de la perfection. Septième prière. Amen. Tout pied et main étranger sorti dans le dossier. Au nom de Jésus. Des mains invisibles. Des mains invisibles. Dossier, tout dossier monde qu'on sorti, mais dossier pour l'arrêt dans le bureau. Dossier pour l'arrêt ton côté. Tout le monde joue un papier. Tout le monde a fonctionné bien. Mais dossier pour la gon main invisible qui est belle, gon main cachée qui est belle. Ce sont des mains et des pieds étrangers. Des mains et des pieds, mais qui est belle. Si ce n'est pas un bon pied qui a pesé. Tout pied et main étranger sorti dans le dossier au nom de Jésus. Tout main invisible, tout main fait noir, tout main cachée qui est belle dossier. Tout pied qui a pesé, qui a piétiné dans le dossier. Qui a passé de ses mains à pied au nom de Jésus-Christ, m'amène retirer pio, retirer main au sous le ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou bien rallons épée couper main, rallons épée couper pied. Mon Dieu, bon pouvoir pour ça, libre pouvoir pour ça, bien-aimé, à travers saint Christ, vous êtes branché radio là-haut. Amen. En partie pour huitième prière, l'esprit de faveur possède Mkounia au nom de Jésus. L'esprit de faveur possède Mkounia au nom de Jésus. L'esprit de faveur. L'esprit de faveur. Même là, Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Amen. Lorsque je faveur, mon Dieu. Ou je ne faveur, mon. Oh my God. Lorsque je ne faveur, mon Dieu. Ou pas besoin de chercher, mon. Et mon cap chercher. Et ça fait bien aimé, c'est pas monde pour chercher, c'est bon Dieu pour chercher. Leur chercher bon Dieu fait monde chercher. Oh alléluia. Leur chercher bon Dieu fait monde chercher. Et pas faveur monde pour chercher. Amen. C'est faveur mon Dieu pour chercher. Parce que de bon jouer une faveur, bon Dieu. Ou a besoin de faveur monde quel qui pide Dieu. L'esprit de faveur possède au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de faveur possède. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. En partie, mes amis, en partie pour huitième prière là. L'homme fort qui a volé faveur, libérez-le au nom de Jésus. L'homme fort qui vole faveur, libérez faveur au nom de Jésus. L'homme fort qui vole faveur, libérez-le au nom de Jésus. Toute barrière qui a opposé à faveur, dissipez tout, péritez tout au nom de Jésus-Christ. Toute barrière qui a bloqué faveur, amen, péritez tout au nom de Jésus. Toute barrière qui a bloqué faveur, péritez tout au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, levez campé, menez de la beurre en faveur. Amen. Seigneur, levez campé, menez de la beurre en faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, levez campé, menez de la beurre en faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Déclarez ça sous la vie. Amen. Déclarez ça sous la veille. Amen. Déclarez ça. Déclarez la veille. Déclarez sous la vie. Déclarez. Seigneur, levez campé. Amen. Menez de la beurre en faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, levez campé. Amen. Menez de la beurre en faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. On nous partit dans la prière sans cesse. Dans la prière soir. Tout nuage d'obscurité. Amen. Toute nuage d'obscurité autour de faveur. Amen. Amen. Péritez tout au nom de Jésus. Toute nuage d'obscurité autour de faveur. Péritez tout au nom de Jésus. Alléluia. Déclarez parole ça. Ou pas déclarer toute opposition mieux. Amen. Pour aller tourner un pont pour me traverser. Oh my God. Toute opposition mieux pour aller tourner un pont pour me traverser. Amen. Toute opposition mieux pour aller tourner un pont pour me traverser au nom de Jésus-Christ. Sous parole, ça m'a quitté. Le troisième côté sans Christ coulé à travers, amen, à travers couronne de pion. Alléluia. Toute opposition mieux pour aller tourner un pont pour me traverser. Toute opposition mieux pour aller tourner un pont pour me traverser. Toute opposition mieux, tout ça t'a barré mieux, tout ça t'a bloqué mieux. Yo pour aller tourner un pont pour me traverser au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur bénit. Le Seigneur touche. Le Seigneur fait grâce. Pas oublier ça.
à travers couronne d'épines. Le Seigneur te maudit la terre. C'est pour la terre produit des épines et des ronces. Même malédiction de la guerre à terre. Mais lui ramasse, lui mette le sous tête li. Couronne, il tressé, il mette dans tête li. Amen. Amen. Lorsque les épines percèrent son front, son sang coula, pour que nous soyons rachetés de la pauvreté. De Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Yes. À travers couronne d'épines, il était fini, dit c'est pour la terre, pour Dieu des épines. Amen, retirer épines à terre, sous terre. Et bien, il prend, il met sous tête. Li. À travers couronne d'épines, il tressé, il mettait dans la tête, il forcé l'entrée. Et puis, sans sortir. Amen, à travers sans ça, en la couronne d'épines qui pèse le crâne, Jésus qui rachetait notre prospérité. Ou pas de la misère encore. C'est pour sortir dans la pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur touche. Pas oublier, nous remercions. Ou même qui t'a contribué. Amen. Ou même qui t'a contribué pour travailler à ta fête. Dans le distribuer kit dans l'hôpital. T'as où elle est malade. Travail là, pas compris. N'a pas continué. N'a pas continué le travail là. Amen. Pendant que nous ne pas suspendre remercier. Nous ne pas suspendre remercier tout le monde. Tout le monde s'est occupé de vendre dans l'esprit là. Tout le monde s'est occupé de vendre dans l'esprit ça là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui prie ça vous fait, il fait sous la vie. Mais prier ça, il offre une tendée, c'est pour continuer à faire, ou même. C'est pour continuer à faire. C'est montrer comment pour sortir dans son yé. Bon, tu as pu utiliser pour montrer comment son yé. C'est pas une fin tendée, et puis tout fini. Mais c'est pour prendre prier ça, pour continuer à prier avec vous. Continuer à répéter aussi la vous, pour capable sortir dans son yé. Au nom de Jésus, nous prions pour chaque monde ça, et nous disons merci pour tout le monde qui t'a contribué pour travailler ça, t'as fait dans l'hôpital, t'as distribué pour les malades, des kits sanitaires. Merci à PDG, nous. Merci à Radio Lao. Merci à vous même tout. Nous ne pouvons pas citer non pour ne pas faire jalousie. Nous avons toujours ça, bien aimé. Même tout le monde ça, là, qui t'a contribué, ou même tout. Qui te contribue à travers prière, ou même qui te prié pour travailler ça, fait. C'est contribution pour ça, y est tout. Et pas seulement les gens qui ont l'argent, qui c'est contribution, mais le bail genou, le bail pouvant ou prier pour serviteur, ou prier pour travailler ma faire, mais son contribution qui est liée, mais n'attends nous, pas arrêter bois croisé, continuez à supporter le travail là, continuez à mettre main, continuez à supporter le travail là, pas de camper, nous ne pas quitter ça, bloquer le travail, mon Dieu, non, les temps et les circonstances, pas que nous bloquer le travail, mon Dieu, nous allons continuer le travail là, ou même qui besoin d'entrer en contact ensemble avec moi, qui veut convertir. Qui veut bailler Jésus la vie, ou, qui veut convertir, qui veut restaurer la vie, ou capable de briller dans 561-860-5406, PDG à bon numéro, ou même qui a un numéro déjà, ou qui a un numéro, sur tout, amen, sur tout YouTube, 3777-5396, ou capable de briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour me prier ensemble avec vous, le bail Jésus la vie, vous voulez restaurer, sous mon diable, sous mon démon, marée. Vous êtes branché, radio là-haut. Sous numéro, amen, sous numéro 561-860-5406, c'est ça, paye déjà bon numéro. La parole ou bien relève directement ou bien numéro déjà et m'baroule là encore. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu bénisse. Amen. Nous parlons encore. Quatrième côté que sans Christ couler demain si Dieu veut. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus.